La berceuse. Dors, ah mon ange, dors. Il fait si beau dehors. Clôt tes paupières, sors de ce carcan qui mord. Détends-toi, fais dodo. Couche-toi sur le dos, soulage tes bobos. Bois ce nectar de mots. Prends les nuages, voyage, vole, erre. Plane, ô, nage, survole les paysages. Sens la douce quiétude, ressens la plénitude. Endors-toi, ô mon ange. Je m'appelle Mamba Lambake. Je suis l'auteur de ce recueil de poèmes, Cocktail. Ce livre-là, comme son nom l'indique, est un mélange de plusieurs thèmes, d'un passé, d'un présent et peut-être d'une projection vers le futur. Cocktail, c'est en fait la vie. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de peine à travers plusieurs thèmes assez riches qui constituent la vie. On chante la femme, on chante l'enseignant. On pense aux retraités. On pense également à ces gens-là qui sont en prison. On parle également de politique, car régissant la vie des citoyens, politikos, à nos vampires, nos sangsues. On retrouve également des poèmes qui renvoient au romantisme pur et dur. Le petit matin, une heure de délices. Et d'autres poèmes qui renvoient à la symbolique de la mort. De la mort. Si je meurs, par exemple, est l'un des thèmes qui a été développé. Nostalgique également de ces gens-là que nous avons perdus. On chante également la vie dans toutes ses formes, à travers la berceuse et d'autres poèmes. Bon, je crois qu'on peut. On parle également de voyage. On parle de ces gens-là qui sont insensibles face à la poésie. Naturellement, je rends hommage à mon grand-père, Serigne Touba. Je rends également hommage à ma mère, à toutes les femmes. On chante l'amour idéal qu'on aurait aimé retrouver à travers Dream Girl, regard d'un amoureux. On revient également sur des aspects de la nature, le soleil qui se couche par exemple. En tant qu'enseignant de formation, on exhorte également les apprenants à faire ce qu'il faut. Et ce poème-là, on l'a intitulé le prix de la réussite. Entre autres thèmes, on parle également de la guerre, qui est une actualité qui a toujours été au devant de la scène. Toi, la guerre, il y a un poème qui s'appelle ainsi. Il y a le monde d'Arès qui renvoie à toutes les horreurs que nous voyons causées par la guerre. Il y a des thèmes qui renvoie également à la santé, le sida également, qui a été un fléau mondial. On parle entre autres de l'agonie des valeurs dans un monde où pratiquement plusieurs choses sont à décrier, le mensonge, le manque d'honnêteté, la duperie, la violence qui règne de part et d'autre. Tout ceci constitue ce qu'on appelle un cocktail, qui n'est pas peut-être explosif, mais qui permet à tout un chacun de voir traverser la vie que nous menons, la vie que les autres mènent. Et en tant qu'auteur, nous essayons tout simplement d'adopter ce qu'on appelle la purgation des passions, parce qu'en voyant certains faits se dérouler dans la société et de les décrier, ça peut permettre aux uns et aux autres d'y faire plus attention. Afin que de tels phénomènes qui causent beaucoup de tort à l'humanité puissent être tout simplement dépassés.